la YouTube compagnie. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 25 septembre. Il est 7h30 et j'ai quitté le boulot. Je suis en direction de Martigna pour aller après récupérer mon fils à l'Avancia pour à l'école. Donc cet après-midi j'ai rendez-vous avec des autres assistants sociaux. Bref, voilà. Je suis ravie de rencontrer. Je peux leur dire, j'ai vu Charlie 10 fois dans l'été, pas chez moi, donc voilà quoi. Elles vont vouloir me faire signer quelque chose, apparemment. Je peux dire ici, mais il n'y a pas de jugement pour l'instant. J'ai envie de vous dire que j'ai rien signé avec ces gens-là qui ont bien foutu la merde dans ma petite vie. Voilà. Puis en discutant avec le papa, donc je réponds à ce qu'il me demande. Moi je pose des questions, en fait j'ai pas de retour parce qu'en fait j'ai pas de questions à avoir parce qu'il est parfait lui. Donc, moi j'ai juste à fermer ma gueule et puis à accepter que je suis une merde. Hein, c'est ce qu'il pense, hein, c'est ce que j'imagine, voilà. Et donc bon, comment vous dire, en fait c'est bien une semaine, après il dit que c'est moi qui fous la merde. Aïe aïe aïe, vaut mieux. J'en ai marre, en vrai, j'ai envie de. Je sais pas quoi, mais j'en ai plein le cul de tout ça. Plein de plein. C'est pas plein le cul, c'est plein le corps entier. Vous voyez, là, je commence à être à bout de souffle. J'ai pas envie de péter un câble, en fait, juste envie de prendre mes affaires. Puis me barrer et cette putain de région de merde avec tous ces gens. Tous ces trous du cul de base, là. Franchement, c'est juste ça que j'ai envie de faire, voilà. Je peux plus m'y blairer tout par ici, voilà. Mais tout, vraiment tout. On est bientôt le 25 septembre, faudrait que je mette du chauffage, je peux pas parce que voilà. Bref. Ouais. Sacré vie de merde hein, que je me suis fait quand même. Les gens ils font leur opinion, ils se trompent, mais j'ai plus envie de me battre pour de la connerie. Mais en fait même pour mon fils, s'il voit pas que son père il est toujours en train de dire que ça va pas, que si que là, et que ma foi, bah qu'il reste là-bas, qu'il reste bien, et puis voilà, ça fait mal au cœur, hein, mais s'il préfère vivre comme ça, qu'il vive comme ça, je à un moment donné, je peux plus en fait, là je peux plus. Qu'est-ce que je vais leur dire, rien, j'ai vraiment envie de leur dire en plus à ces gens-là, je ne veux pas qu'ils se mettent de ma vie, mais ils font que ça. Ils sont juste là pour vous détruire un peu plus. Et ça c'est comme les flics en fait, maintenant je me demande à quel moment tu te dis que tu vas faire un stand social pour aller détruire la vie des gens. Voilà. Parce que je pense qu'elles détruisent bien plus de gens comme moi. Que d'aller où vraiment faudrait aller. Voilà. C'est tellement plus facile de prendre l'enfant de gens qui en fait n'ont pas vraiment grand chose à se reprocher. Hein. Certes qu'on peut toujours faire mieux que. Il n'y a pas de meilleurs parents, il n'y a pas de parfaits parents. Hein. Mais c'est tellement quand même plus facile de s'en prendre à gens qui n'ont pas trop de difficultés, qui ont moins de difficultés de certains. Hein. Ou justement là, vous allez pouvoir faire votre nazi, de toute façon, on vous dira rien. Tu as peut-être une famille de zinzins à qui faudrait vraiment enlever les enfants parce qu'ils sont battus, maltraités, ce que vous voulez, qui va vous péter un câble dessus, qui risque de vous trucider. Hein. C'est sûr que là, on a moins tendance à les foutre les pieds quand même. Et quand il me dit qu'il m'a pas descendu, son père.
Parce que moi, quand elles sont venues chez moi, les associations, c'est très bien passé avec Charlie. J'ai pas besoin de le compter, rien. Pas eu de mots que tu aurais pas dû avoir de ma part ou quoi que ce soit. Donc si elles disent qu'il n'y avait pas que le fait que j'étais triste et nanana, c'est bien qu'il a ouvert sa gueule en fait, lui. Donc quand il me dit, il faut que tu aies confiance, non. Tu m'as pris mon fils tout l'été, tu mens sur ce que tu leur as dit. Tu mens. Donc, voilà. La confiance, tu l'as niquée le 21 juin 2024. Toute la confiance que j'avais en toi, tu l'as niquée le 21 juin 2024. Voilà. Donc, la confiance. Eh bien, le trou du cul, la confiance. Il en faut hein, des gens parfaits qui ne le sont pas, mais qui y croient. Puis qui y croient, sont convaincus. Hein. Vraiment convaincus en plus. Je sais pas. Ça me donne pas, ça me donne envie de sourire. Et les gens, ils ont. Les filles, je sais pas. Faut pas mettre de grenade. Hein, faut pas mettre de grenade. Enfin bref. Ça reflète bien le personnage qu'il est finalement. Trop long, je vous avoue dire ce que je suis dépitée. Ça fait 11 mois que ma maman est décédée aujourd'hui. Elle n'était pas encore décédée à ce temps-là. À ce temps-là, elle faisait mentir le service à mon papa. Voilà. On leur avait demandé de nous mentir et de dire, quand on appellerait le matin, que tout allait très bien, que tout allait très mal, déjà. Elle ne voulait pas qu'on soit là, elle ne voulait pas de nous. Je sais, faut pas que je pleure parce que comme je dois aller chercher mon titi, voilà, on n'a pas le droit. Je vous rappelle de pleurer quand on a un enfant. On n'a pas le droit de pleurer. Donc il faut pas. Partir sur son chemin. Lundi, j'ai vu ma soeur hein, quand j'ai emmené Charlie au judo, quoi. Et je lui ai dit qu'elle n'était pas bien, mais elle n'a pas. Elle a pris qu'un coup. Le fait n'est pas forcément très bien tout le temps. Je sais pas parce qu'elle le dit pas en fait, hein, je sais pas. Je vais en prendre
pas trop vu non plus parce que. J'espère que vous allez bien. On est le 27 septembre, vendredi. Il est 18h30 et je prends déjà la route pour le travail puisque je vais m'arrêter chez mon papa. J'ai un papier à lui refourguer. Je vais voir s'il a des commandes à me donner pour les fleurs, comme ça je les pose direct. Et voilà. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vous faire le tirage au sort. Donc, tout simplement, je vous explique pourquoi. J'ai vidé tout mon atelier. On a mis des étagères, machin, patacoufa. Bref, du tri. Et du coup, je me focalise un petit peu là-dessus. Là depuis 2 jours, on va dire 2-3 jours, pour que, on va dire d'ici que début de semaine prochaine, cet atelier soit fini et que les vidéos se fassent là-bas et que mes créations se fassent là-bas. Et voilà. Du coup, je vais vous le faire le tirage. Je pense que je pourrais même pas vous. J'allais vous dire, je vous le ferai demain. Je ne pourrais certainement pas. Ou alors je le fais en arrivant si je suis pas trop crevée le matin. Parce que en fait, tout simplement, je vais rentrer du boulot. Ce qui serait bien, c'est d'aller me coucher parce qu'en fait, à 4h30, je dois remonter sur Bélinia. Donc, c'est après Oyonnax.
récupérer Charlie qui sera à l'anniversaire du petit de ma sœur. Pour leur donner après à son papa. Et comment donc ça me paraît tendu et je vais pas m'amuser à descendre à 4h30, leur poser, remonter pour repartir. Je trouve un peu con. Non, je sais pas comment faire. Je vous ai pas fait la vidéo des. Alors, on est d'accord, les lots papeteries, ils se ressemblent toujours à peu près. Donc, je pensais ne pas vous les remontrer. Ce que je pensais surtout vous montrer, c'est plutôt les lots bijoux et beautiful. Je pense que ça a été bien quand même. Je n'ai toujours pas fait partir les deux lots qui me restaient, donc la trappe rêve et la trappe soleil. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'imagine, de toute façon, vous n'avez pas dû avoir vos colis puisque je ne suis pas retournée à la poste, très honnêtement, je n'ai pas eu le temps. Et comment ? De toute façon, chez nous, ils sont fermés les après-midi, ils ne sont pas ouverts le samedi matin. Enfin, c'est la catastrophe. Donc, je suis désolée. Tout partira lundi, j'espère. Parce que là, je vais aussi en profiter au boulot pour finir les 2-3 petits trucs qui vont me manquer. Et puis, je vais. Enfin, bref, j'œuvre. Je voudrais vraiment que tout ça là soit plié, là, on va dire, pour milieu de semaine prochaine, mes envois. Tous les envois des échanges, les envois plaisir, tout ça, que ça soit réglé d'ici milieu de semaine prochaine pour qu'on reparte sur une bonne base, donc c'est-à-dire avec un jeu de citation, un échange pour on va dire mi-octobre jusqu'à mi-novembre, et pour que ça change un peu pour celles qui font les cartes, voilà, changer un petit peu, hein, parce que voilà, c'est gentil les cartes, mais voilà. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est terrible. J'ai aussi du coup une pocket letter à faire que je n'ai jamais fait. Donc ça. Je vais faire ça. Voilà. Putain. Une fenêtre, ça sera moins violent, je pense. Hop. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Je sais. Putain, c'est un truc de dingue. Donc voilà. J'ai donc les deux lots d'enveloppes. Putain, je ne vois rien. Les deux lots d'enveloppes, je vous disais. Et la pocket letter. Voilà. Donc ça. Et puis en fait j'ai envie d'attaquer un peu en fait clairement je voulais vous faire finir les 2-3 conneries là que j'ai attaqué Halloween. Je voulais faire un petit album aussi Halloween. Et ensuite, c'est créa de Noël, parce que de toute façon, en fait, j'ai déjà envie de faire ça, plus qu'à Halloween, je vous avouerai-je. Du coup, si sur mes plans, si ça fonctionne bien, que j'arrive à tout plier là, à mercredi, c'est tout plié, tout ça, là, que l'atelier est fait, que les envois, c'est ok, que si, que là...
vais, je pense, prendre un petit moment ce soir au boulot si c'est calme pour répondre aux mails. Je vais essayer de prendre des, je vais essayer d'avoir des nouvelles de Gaëlle parce que là, je trouve que ça fait quand même super long. Donc, même si elle est fatiguée, enfin, je sais pas, c'est bizarre. J'espère qu'il lui est rien arrivé, que tout va bien pour elle et le bébé. Donc, on verra ce qu'il en est. J'espère vraiment que, voilà, que ça va, qu'elle va me répondre surtout. parce que si elle répond pas, ça voudrait dire que ça va pas. Je sais pas. On verra. J'espère qu'elle va répondre. Ensuite, je regarde 2-3 vidéos parce que Sandra a répondu à. Je lui ai demandé de m'envoyer. Non, c'est pas Sandra, pardon, excusez-moi. C'est Yolande, je crois. Yolande, comme ça. Du coup, à qui j'avais demandé l'adresse pour lui envoyer un petit échange, tout ça. Du coup, elle me dit qu'elle aime bien les kisses. Du coup, j'ai repris un peu les envois que vous m'avez fait. Je sais que Gaëlle de la chaîne Cap pour Scrap Topio, elle m'en a mis. Donc, je regardais un petit peu ce que c'est, machin. Et puis, voilà. Peut-être je vous montrerai ça en vidéo. Et puis, pourquoi pas, ça changerait un petit peu des Memory Dex, des CBA. Après, les ATC, j'ai envie de les laisser un peu tout le temps dans l'échange parce que c'est quand même. C'est ce qu'on s'échange le plus facilement. C'est ce qui est. En gros, je trouve le format, il est petit, mais c'est celui, je pense, qui convient le plus un peu à la plupart des gens. Je pense, c'est moi qui pense ça. Après, j'aime quand même bien les formats genre Memorydex ou même la CBA qui est pas un format vraiment de scrap puisque c'était le format boulette, quoi. Mais. C'est un peu plus grand, j'aime mieux. Donc, à voir. Alors, j'ai pas pu comptabiliser parce que, non mais au-delà de sa splendeur, vous savez, sinon ce serait pas moi. Donc, je note tous vos petits, ce que je vous envoie, tatati, ce que vous m'avez envoyé, plus ou moins, nanani, nanana. J'ai paumé le cahier. Impossible de remettre la main dessus. Donc, bon, voilà. Je pense que on a environ. Une bonne soixantaine de cartes sans compter les miennes qui sont faites déjà, donc il y en avait une petite dizaine, il me semble, donc c'est cool. Je ne me rappelle plus non plus la date que je vous avais dit, du coup, forcément, puisque c'est tout écrit dans ce putain de cahier, et que j'en ai tellement plein la tête qu'à un moment donné il y a des trucs qui m'échappent, j'avoue. Donc, je me dis, de toute façon, j'y ai écrit, donc je m'en fous un peu de ne pas me rappeler de ça parce que je l'ai écrit. Sauf qu'en fait, quand vous perdez le cahier, forcément, ça devient un problème. Hein. C'est dans ma splendeur, ça serait. Franchement, ce ne serait pas comme ça. Ce ne serait pas moi. Je le sais. Hein. Donc, dans tous les cas, ce cahier, j'avais dit, hein, il ne plaît pas, c'était pas comme ça que je le voyais, il n'est pas assez gros. Enfin, voilà. Peut-être que je vais quand même essayer de le refaire et pas d'en prendre un tout fait, de le faire moi-même. Ou alors d'en prendre un tout fait, mais où je pourrais moi venir rajouter des petits trucs, des petits livrets, des pages, des machins. Voilà, parce que là. Et du coup, aussi, vous allez avoir une première partie de vidéo qui date, je pense, de ma dernière nuit, donc qui était. Mardi, donc peut-être mercredi matin. Alors, le retour des AS. Donc j'ai eu l'assistante sociale que j'avais vue le lundi, puisqu'il y a quelqu'un qui avait bien voulu me recevoir pour m'expliquer quoi, je sais pas trop. Pour me dire en gros, je vais récupérer pour mon fils, hein, vous rappelez. C'était le 24 juin. Bref, donc là, on y va, machin. Pas problème. Donc lui, le garde pas très longtemps, je trouve.
Et moi non plus d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, elle ne m'a pas gardé vitam aeternam. C'était un truc, j'ai halluciné. C'est simple, à 3h, nous étions sortis. Ah ouais. Donc bon, après, on a été, comme on y est allés tous les trois, du coup, on l'a vu chacun notre tour et on l'a vu ensuite à trois. Mais vous avez le même discours que le papa, bah ouais, parce qu'en fait on n'est pas des menteurs, et que si je vous dis qu'elles nous ont posé un ultimatum, qu'elles nous ont dit qu'elles placeraient Charlie si on n'acceptait pas ça, 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 j'ai quand même pas vu mon fils pendant 2 mois parce qu'elles lui ont dit de ne pas me le rendre, enfin voilà quoi. Donc du coup, en gros, ce qu'il en est, c'est qu'elle veut qu'on la rappelle après le jugement, quand on aura notre retour, donc le 9 octobre. Et savoir si on veut un éducateur ou pas, parce qu'en fait tout simplement elles n'avaient pas à faire ça, et en fait les éducateurs c'est au bon vouloir des parents, voilà. Donc comment vous dire, moi elle m'a bien fait comprendre, elle nous a bien fait comprendre, mais de toute façon ils ont une liste de malades, donc putain, je suis en train de me dire, j'ai encore pas de feu pour aller au boulot ce soir. Et c'était bien plus important qu'une étagère. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Puis ça c'est pareil. Je ne sais pas. Il a mis une après-midi, le papa de mon fils, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est le papa de mon fils là qui m'a rajouté une étagère, d'accord. Il a mis une après-midi. Je comprends pas. Mon père en a posé deux en 1 heure. Un sac poubelle de 100 litres, il y avait largement les 20 objets à dégager. Voilà. Attends, je vais vous couper et je vous reprends dans un moment, parce que tout simplement, un petit message vite fait. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et re-coucou, je vous prends juste maintenant, je viens juste d'arriver au boulot, je suis un petit peu en avance. Donc je vais clôturer comme ça, je pourrais me mettre. Je vais vous mettre le short du sac poubelle que j'ai trié. Ouais, ou je sais pas, non, je ferai peut-être quand je ferai plutôt, je le mettrai dans une, je l'inclurai dans ma vidéo quand je vous montrerai l'atelier, en espérant que je puisse vous montrer rapidement, puisque bon, là entre minuit, comme je vous disais, ça va être tendu parce que demain Charlie va à l'anniversaire à Basile, c'est moi qui récupère à 4h30. Oh, pardon, je baille déjà, c'est terrible. Et quoi d'autre, je sais plus ce que je voulais vous dire. Putain. Dimanche, je vais être à 4h chez ma soeur pour aller à l'anniversaire Basile, parce qu'en fait samedi c'est celui avec les enfants au judo, et et dimanche c'était avec mon papa, les parents de Virginie, ma belle-sœur, son frère, mais moi je bosse à chaque fois de toute façon, donc je vais pour le goûter, voilà, j'ai pas du tout envie d'être là, j'ai froid, je suis pas bien, bref.
Bon, j'ai encore les cheveux mouillés, vous allez me dire, voilà. J'ai pas de feu sur ma voiture. J'ai l'impression que mon dégirage ne marche plus. Je pense clairement qu'ils m'ont bousillé ma caisse, en vrai. Hein. Ils l'ont. Voilà quoi. Bref. Ça buit. Je suis un peu dégoûtée. C'est comme ça. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon vendredi soir. Je fais au mieux pour faire le tirage là quand même. Sûrement demain. On va voir. Et puis. Oh, pardon. Puis voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis surtout, ne faites pas trop les fous, la YouTube compagnie. Ciao, ciao!